Nous allons commencer notre réunion. Nous allons d'abord prier pour remercier le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé pour l'adorer. Avant ça, je vais lire une écriture de la parole. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Je commence au verset 4. On commence avec les enfants. Shalom. On commence avec vous. La fois passée, on a parlé beaucoup de choses pour vous, les enfants. On a répété plusieurs fois comment vous comportez à la maison quand vous vous réveillez, quand vous, vous dormez, quand vous voulez manger, qu'est-ce qu'on fait. On a parlé beaucoup de choses. On ne peut plus répéter ça. Je crois que vous avez maîtrisé ça. Amen. On a parlé beaucoup de choses. Ça, c'est quoi, Shalom? Ici, c'est qui? Jésus de la nuit. Jésus de la nuit. Et ici, William, c'est qui? Le prophète Branham. Le prophète Branham, alléluia. Ici, en haut, c'est qui? La colonne de feu. Voilà, la colonne de feu. Amen. Amen. Donc, je crois que vous avez maîtrisé ça. Dieu vous bénisse, William. Alléluia, Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, Dieu te bénisse. Amen. On répond Amen. Hein? Donc, c'est très important. Il ne faut pas oublier. Quand on se réveille le matin, on fait quoi? Alléluia. On prie. Shalom, avant de dormir, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prier. Voilà. William, avant de manger, qu'est-ce qu'on fait? Prier. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler 2-3 minutes seulement. On va ajouter quelque chose sur ça. C'est sur l'habillement. Amen. Jésus aime les enfants qui s'habillent bien. Jésus n'aime pas les enfants qui font monter le corps comme ça. Jésus aime les enfants qui couvrent leur corps. Amen. Amen. Vous les filles, vous ne pouvez pas s'asseoir n'importe comment. Les filles s'assoient toujours très bien. Il faut surveiller vos pieds. Amen. Oui. Les garçons, ils peuvent s'asseoir n'importe comment. Mais vous, les filles, vous ne pouvez pas s'asseoir n'importe comment. Tu vois? Alléluia, c'est bien assis. C'est bien, c'est comme ça. Et toi aussi, Shalom, c'est comme ça. Amen. Alors, Jésus aime les enfants qui portent de longues robes. Pas des robes courtes, pas des jupes courtes. Jésus aime les enfants qui portent des longues robes. Jésus n'aime pas que ici soit ouvert. Comme ça, c'est bon. Donc, Jésus aime les enfants qui portent des longues jupes. Jésus aime les enfants qui portent des longues robes. Tous ceux-là qui portent des mini-jupes, des jupes courtes, des robes courtes, ils vont aller en enfer dans les faits. Mais vous, vous êtes chanceux. Jésus vous dit aujourd'hui de porter des longues robes et des longues jupes. Pas des jupes courtes. Jésus n'aime pas ça. Amen. Amen. Est-ce que les filles peuvent couper les cheveux? Non. Les filles ne coupent pas les cheveux. C'est les garçons qui coupent les cheveux. Jésus aime les filles qui ne coupent pas les cheveux. Ok? Il faut que vos cheveux soient longs. Jupe longue, robe longue, cheveux longs. Amen. Amen. Jésus n'aime pas des rouges à lèvres. Jésus n'aime pas des vernis. Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas des bijoux. Il n'aime pas ça. Ok? Vous êtes chanceux parce que vos amis n'attendent pas ces choses. Vous, vous êtes chanceux parce que papa et maman sont des chrétiens, ils croient en Jésus. Amen. C'est très important pour vous les enfants. Amen. Jupe longue.
Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? On dit jupe longue, après c'est quoi? Robe longue. Robe longue. Cheveux? Pas coupé. Pas coupé, cheveux longs. Ok? C'est les garçons qui coupent les cheveux. Pas des rouges à lèvres. Alors, pourquoi donc, il y a vos amis, pourquoi ils mettent des rouges à lèvres? Pourquoi ils portent des cheveux courts? Des cheveux courts? Et ils portent des mini-jupes et des robes courtes. Pourquoi? Voilà. Parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Alors vous, vous êtes chanceux. Amen. C'est très important pour vous. Alors, vous devez vous aimer aussi. C'est très important. Jésus aime les enfants qui aiment les autres. Jésus n'aime pas les enfants qui tapent. Jésus n'aime pas les enfants qui parlent le mal des autres enfants. Amen. Je crois prochainement, on va essayer de parler de ça en détail. Amen. Alors, prochainement, je vais encore vous demander, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On va prendre un petit temps, peut-être 5 à 10 minutes, 10 minutes à 15 minutes, pas beaucoup, afin que vous puissiez maîtriser ça. Amen. C'est très important. On va chanter pour les enfants. L'amour de Dieu, mettez-vous debout. Et si merveilleux, l'amour de Dieu. Et si merveilleux, l'amour de Dieu. Ainsi merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est. Il est si haut. Si haut. Si monté. Il est si bas. Pompé. Renversé. Il est si compé, contourné, oh, quel amour. La fois prochaine, c'est Shalom qui va chanter. C'est toi qui vas chanter l'amour de Dieu. Après, c'est Branham, après, c'est toi. Ok? Allez, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre réunion. Avant de commencer notre prédication, nous allons d'abord prier, remercier encore le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé pour écouter sa parole. Nous allons laisser tout ce qui va se passer ici entre semaines, qu'il puisse nous assister jusqu'à la fin. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons remercier le Seigneur prier. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé en ce lieu. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir protégés durant toute la semaine. Merci pour les souffles de vie, la santé, la force que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu. Tu nous as protégés contre nos ennemis. Tu nous as protégés contre la volonté du diable. Et aujourd'hui, tu nous as amenés ici pour écouter ta parole, pour accomplir une écriture, Seigneur, dans ta parole, nous te remercions. Seigneur, nous commençons une autre semaine. Nous voulons que tu puisses commencer avec nous et terminer aussi avec nous. Durant toute la semaine, nous avons encore besoin de toi pour nous protéger contre nos ennemis. Ô Seigneur, notre Dieu, partout où piétinera les plantes de nos pieds, que ces liens-là nous soient accordés dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons boire, manger, que cela puisse contribuer à notre santé. Assiste-nous, Seigneur, Seigneur, notre Dieu, tout esprit de la distraction, tout esprit diabolique, satanique, dans le nom de Jésus, je les chasse loin de ces liens, et nous voulons seulement ton Saint-Esprit au milieu de nous pour nous guider du lever à la fin de notre réunion. Assiste-nous, Seigneur, notre Dieu, pendant ce moment que nous voulons écouter ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la voix de Dieu en ces derniers jours. C'est très important. Nous ne parlons pas de la voix de Dieu
pour les jours passés, mais pour aujourd'hui. Parce que Frère Branham nous dit aujourd'hui que nous sommes dans les derniers jours. La voix de Dieu en ces derniers jours. Selon William Marion Branham, la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Selon William Marion Branham, la voix de Dieu, c'est le programme de Dieu. Selon Branham, la voix de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Selon William Marion Branham, la voix de Dieu, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Donc, on a beaucoup de définitions pour la voix de Dieu. Et si nous entrons en profondeur, nous verrons que la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous parlons du dernier jour. Les derniers jours, selon William Branham ou selon la Bible, c'est la fin d'une dispensation. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons beaucoup, beaucoup de derniers jours dans la Bible. Par exemple, au temps de Noé, c'était les derniers jours pour les gens de ce temps-là, quand Dieu a frappé le monde par les déluges. C'était la fin de temps pour les gens de ce temps-là. C'était les derniers jours pour les gens de ce temps-là. C'était le temps de la fin pour ces gens de ce temps-là. Et la présence de Noé leur disait déjà que vous êtes dans les derniers jours, vous êtes au temps de la fin. Malgré qu'ils voyaient la présence de Noé, ils étaient tous dans la distraction totale. Malgré qu'ils voyaient la présence de Noé, les prophètes, ils chantaient toujours la musique du monde. Ils chantaient peut-être la musique des aïkos. Tous étaient en train de se gonfler, vimba. Et les autres chantaient la musique de Kofi, Kotite. Ils étaient dans une distraction totale. Ils ne faisaient même pas cas au prophète Noé, ni de son message. Et soudain, Dieu a commencé à frapper le monde par les déluges. Et peut-être ils ont chanté « Mon Dieu, plus près de moi ou plus près de toi ». Mais c'était trop tard, c'est le déluge qui était venu près d'eux. Pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu es en forme, c'est le temps, c'est le moment de chercher Dieu, c'est le moment de mettre ta vie en ordre. N'attends pas que tu sois dans les commas, n'attends pas que les problèmes arrivent, n'attends pas que les malheurs arrivent. Pendant que tu es en bonne santé, c'est le moment où tu peux t'approcher de Dieu. Ne cherche pas le malheur. Quand le malheur arrive, là, tu commences à chercher Dieu. C'est le moment. Pendant que nous prions ici, il y a des gens qui sont dans des boîtes de nuit. Il y a même des frères, aujourd'hui dimanche, pendant que nous prions, il y en a qui sont peut-être dans des hôtels en train de faire des bêtises. Il y en a qui sont en train d'escroquer les autres. Donc cela ne leur dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en bonne santé. Quand ils seront malades, ils vont chercher Dieu. Quand ils seront dans le coma, ils vont chercher Dieu. Mais ça peut être aussi trop tard comme les gens du temps de Noé. La présence de Noé leur disait déjà que vous êtes au temps de la fin. Le message de Noé leur disait déjà que vous êtes dans les derniers jours. Alors, ça c'était au temps de Noé. Au temps de Moïse, c'était la même chose. Quand Moïse était venu en Égypte, la présence de Moïse voulait seulement dire aux Égyptiens que vous êtes au temps de la fin. Vous êtes dans les derniers jours. Vous êtes dans les fins du temps. Pharaon se moquait de Moïse. Les Égyptiens se moquaient des enfants d'Israël. Pharaon se moquait même de Dieu.
Il ne savait pas que il était au temps de la fin. Il ne savait pas qu'il était dans les derniers jours. Ils étaient aussi dans une distraction totale. Ils riaient notre Dieu, ils riaient le prophète Moïse, ils se moquaient des enfants d'Israël. Mais ils ne savaient pas que la présence de Moïse devant eux, c'était un langage de Dieu, un langage codé de Dieu. Dieu voulait seulement dire aux Égyptiens et aux Pharaons que vous êtes des gens au temps de la fin. La présence d'un prophète veut nous dire que nous sommes au temps de la fin. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que quand un prophète arrive, il donne son message et après, c'est le jugement. C'est pourquoi faire vraiment à prêcher avertissement puis jugement. Dieu ne peut pas venir directement pour frapper, non. Il avertit premièrement et après il vient pour juger. Alors, quand Moïse a voulu traverser la mer Rouge, quand il veut traverser la mer, Pharaon aussi a suivi Moïse avec tout son peuple, les Égyptiens, et la mer a englouti tous ces gens-là. C'était les derniers jours pour eux, c'était le temps de la fin pour eux, c'était la fin des temps pour eux. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons aussi du dernier jour, aujourd'hui. Nous parlons aussi du dernier jour. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Mais les derniers jours d'aujourd'hui marquent la fin de l'histoire de l'Église de Dieu sur cette terre. Cet dernier jour d'aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire de l'épouse sur cette terre. Donc, la présence de William Marion Branham aujourd'hui nous dit que nous sommes déjà au temps de la fin. Mais cela ne dit rien aux autres. Même ceux qui sont dans les messages, ils sont toujours dans la distraction totale. Il y en a qui se querellent, il y en a qui ont des ennemis, il y en a qui critiquent toujours, il y en a qui ne s'attendent pas avec les autres, il y en a qui ont des copains, il y en a qui ont des copines, il y en a qui trompent leur mari, il y en a qui trompent leur femme. Mais ils lisent les brochures, ils viennent aussi dans les églises du message. On les appelle de sœurs et de frères, de pasteurs, de prédicateurs. Mais leur vie ne nous dit pas qu'ils sont dans les messages. Leur vie ne nous dit pas qu'ils sont encore convertis. Ils sont dans une distraction totale malgré des signes, malgré des prodiges, malgré la présence de William Marion Branham. Mais aujourd'hui, je vous dis que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les fins, dans la fin du temps. Nous sommes dans les derniers jours aujourd'hui. Vous allez au travail, vous allez à l'école, soyez prudents. Aujourd'hui ou demain, quelque chose peut arriver. Même si l'enlèvement ne vient pas, tu peux mourir. Soyons prudents. Amen. Alors, quand Dieu envoie un prophète, comme je viens de le dire, c'est la fin des temps pour les gens de ces temps-là. Au temps de Noé, par exemple, quand Noé était venu, il avait un message pour donner au peuple. Et Noé lui-même, il était devenu la voix de Dieu pour les gens de son temps. Donc la présence de Noé, c'était la voix de Dieu pour les gens de ces temps-là. La présence de Moïse, c'était la voix de Dieu pour les Égyptiens. La présence de Moïse, Moïse était la voix de Dieu pour Pharaon. Moïse était la voix de Dieu pour les enfants d'Israël. Moïse était la voix de Dieu pour les Égyptiens. En ces temps-là, il y avait aussi beaucoup de voix. Pharaon avait aussi une voix. Ses magiciens avaient aussi des voix. Mais la seule voix authentique confirmée par Dieu, c'était la voix de Moïse. La seule voix qui amenait les gens à la vie, c'était la voix de Moïse. La voix de Pharaon, la voix des magiciens, la voix des Égyptiens,
ce n'était pas des voix confirmées. Et la mort était derrière toutes ces voix. Mais la seule voix de Dieu qui amenait les gens à la vie, c'était la voix de Moïse. Moïse était devenu la voix pour les gens de ces temps-là. Dans notre temps aujourd'hui, Dieu nous a envoyé William Marion Branham comme notre prophète aujourd'hui. Et Branham aujourd'hui, il est la voix de Dieu pour nous. Malgré que Branham est là, il est la voix de Dieu pour nous. Nous avons aussi beaucoup de voix. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix. Nous avons des voix de prédicateurs, nous avons des voix de pasteurs, nous avons des voix de frères, nous avons des voix de sœurs. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix aujourd'hui. Mais cela ne compte pas chez Dieu. Nous n'avons pas besoin des voix des prédicateurs, nous n'avons pas besoin des gens de la voix des évangélistes, nous n'avons pas besoin de la voix d'un frère ou d'une sœur, mais nous avons besoin aujourd'hui de la voix de William Marion Branham, la voix de Dieu. C'est la seule voix qui nous amène à la vie, c'est la seule voix qui nous amène à la vie éternelle, c'est la seule voix qui nous amène au ciel. En dehors de cette voix, toutes ces voix-là amènent à la mort. Amen. Donc, William Branham, aujourd'hui, il est la voix de Dieu pour nous. Nous allons entrer un peu dans le jardin d'Éden. La première fois que la voix de Dieu s'est fait entendre dans ce monde, c'était dans le jardin d'Éden. C'était avant et après le péché d'Adam. Avant le péché d'Adam, Dieu était descendu. Il a parlé à Adam, mange tous les fruits du jardin, sauf les fruits de l'arbre qui est au milieu. Ça, tu ne peux pas manger. Dieu a parlé à Adam. Et la deuxième fois que cette voix s'est fait entendre, c'était après le péché d'Adam. Dieu est venu, il cherche Adam, vous connaissez l'histoire. Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis né. Donc la première fois, c'était quand Dieu est venu dire à Adam de manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf les fruits qui est au milieu, les fruits de l'arbre qui est au milieu. Ça, il ne peut pas, il peut pas manger. La deuxième fois, c'est quand Dieu est venu chercher Adam. Mais vous remarquerez que malgré la voix de Dieu qui était dans le jardin d'Éden, quelque part, il y avait aussi une autre voix. C'était la voix de Satan à travers le serpent. Donc, Dieu est venu, il a parlé à Adam, et après, le diable aussi est venu pour parler à Ève. Je vais lire un verset de la Bible dans Matthieu 13, verset 24. À 29, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semant délivré parmi les bleus et s'en alla. Lorsque l'arbre qui poussait et donnait du fruit, livré parit aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les bleus dans mon grenier. Donc cette parabole, cela nous dit quelque chose. C'est la même chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Dieu est venu, il a semé la parole, et après le diable est venu aussi, il a semé sa parole. Il y avait maintenant une confusion. La parole du diable était là et la parole de Dieu aussi était là. Une confusion totale. Et dans cette parabole, le maître de la moisson,
Il est venu semer sa semence. Et après lui, son ennemi est aussi venu pour semer aussi sa semence. Maintenant, les deux semences étaient en train de se croître. Il y avait une confusion totale. Il y avait le bleu, il y avait le livré. Les serviteurs sont venus. Nous allons arracher le livré. Le maître dit non, laisse croître. Laisse livré et le bleu croître ensemble. À la fin, non, dit-il. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Le maître dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Donc laissez croître les deux ensemble jusqu'à la fin du temps. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, les messages, nous avons aussi les paroles des prédicateurs, des pasteurs. Nous avons aujourd'hui la voix de Dieu, nous avons aussi la voix du diable, c'est-à-dire la voix des pasteurs, la voix des prédicateurs. Laissez croître les deux ensemble. Mais à la fin, nous saurons la véritable voix. Amen. Le maître de la moisson, il a semé. Et après, son ennemi est venu pour semer aussi sa semence. Cet ennemi-là, tous ces gens aujourd'hui, les pasteurs, les prédicateurs, qui essayent d'introduire leurs paroles dans l'église, ils sont ennemis de Dieu. C'est ça la semence de discorde. Tu entres dans une église, tout ce qu'ils font, c'est la loi du pasteur. La loi du message n'est pas là. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Il vient avec sa semence. Il laisse la semence de Dieu. Il met sa semence dans l'église. Il met sa semence dans les gens. Pour les tuer. Nous avons besoin seulement de la voix de Dieu aujourd'hui. Et la voix de Dieu est enregistrée dans les bandes. La voix de Dieu, on l'a écrit dans les brochures. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Un pasteur, il vient, il vous dit quelque chose. Vous regardez dans les messages, ça n'existe pas. Jetez ça. Si vous vous accrochez à ça, c'est très dangereux. Tu deviens aussi ennemi de Dieu. Je répète. Christ est venu. Il a semé sa semence. Et après lui, le diable est venu aussi. Il a semé aussi sa semence à travers des pasteurs, des prédicateurs, ainsi de suite. Dans cette parabole, la Bible nous dit, c'est lui qui était venu après pour semer, c'est un ennemi. Donc tous ces pasteurs-là qui ont semé leurs paroles dans les églises du message, ils sont ennemis de Dieu. Tu t'accroches à ces pasteurs, tu deviens aussi ennemi de Dieu. Tu t'accroches à ces églises, tu deviens aussi ennemi de Dieu. Tu dis amen à la parole du pasteur ou d'un prédicateur, tu deviens aussi ennemi de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui les gens prient, les gens jeûnent, mais il n'y a pas de changement. Les gens restent les mêmes. Celui qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez changer. Il y en a qui sont maudits, il y en a qui sont morts à cause des paroles de leur pasteur. Dans leur cœur, ils voient que, ils croient que ce n'est pas ça le message. Mais comme ils sont fanatiques, ils sont toujours derrière le pasteur. Frère Branham dit, si vous avez un pasteur qui ne vous prêche pas la pire parole, quittez-les, saquez-les, mettez-les dans un sac, jetez-les dehors. Il est inutile. Il est en train de vous tuer. Amen. Donc, dans les jardins d'Éden, Dieu a semé sa parole et après le diable aussi est venu avec sa parole pour embrouiller. Mais la seule parole qui avait la vie, c'était la parole de Dieu. Et quand Adam et Ève, ils ont cru à cette parole du diable, ils étaient morts. C'est pour vous dire que toute parole qui ne vient pas de Dieu
Toute parole que Branham n'a pas dit, c'est la mort qui est derrière ça. Vous vous accrochez à ça, vous êtes mort. C'est pourquoi la fois passée, nous avions parlé du troisième Adam. Quand vous regardez comme ça, c'est comme si on a trois Adam. Mais quand vous entrez dans la profondeur, vous verrez qu'on a seulement deux Adam. Branham n'a pas dit troisième. Alors, nous devons respecter ça. Branham n'a pas dit troisième. Nous aussi, nous n'allons pas dire troisième. Nous allons dire deuxième Adam. Le dernier Adam. C'est le deuxième Adam. Alors, si vous ajoutez quelque chose que Branham n'a pas dit, c'est très dangereux. Là, ça devient la semence de discorde, ça devient la parole du diable. On n'a pas besoin de la voix d'un pasteur aujourd'hui. On n'a pas besoin de la voix d'une sœur ou la voix d'un frère. On a besoin de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu aujourd'hui, c'était William Marion Branham. Amen. La Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est comme un songe. Et le Nouveau Testament, c'est l'interprétation de la songe. L'Ancien Testament, ce n'était pas la réalité des choses. C'était seulement une ombre de quelque chose qui va venir un jour. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous vivons dans la réalité parce que Frère Branham dit, nous sommes aussi dans l'Éden de Satan aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu un jardin d'Éden. Et là-bas, il y avait deux voix. La voix de Dieu et la voix du diable. Frère Branham dit, aujourd'hui, nous sommes dans l'Éden de Satan. Aujourd'hui, nous avons aussi deux voix. Nous avons la voix du diable et nous avons aussi la voix de Dieu. Maintenant, quelle voix voulez-vous obéir? La voix de Dieu ou la voix de Satan? La voix de Dieu ou la voix d'un pasteur? La voix de Dieu ou la voix des prédicateurs? La voix de Dieu ou la voix d'un frère ou d'une sœur? Nous avons aussi deux voix aujourd'hui. Nous allons faire notre choix. Soit c'est la voix de Dieu ou la voix d'un pasteur. Ève, elle a fait son choix dans le jardin de Dieu. Elle a choisi la voie du diable. Et la mort était entrée. Mais avant de faire le choix à la voie du diable, c'était la vie. Et les deux voies aujourd'hui sont présentes. Parce que nous sommes aussi dans l'Éden de Satan. C'est-à-dire, Dieu aujourd'hui, il parle. Et Satan aussi, il parle. Mais remarquez une chose. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, s'il veut vous parler individuellement, là, il peut utiliser beaucoup de manières. Il peut te parler par un songe. Dieu peut te parler par une prophétie. Dieu peut te parler par un prédicateur. Dieu peut te parler par ton mari ou par ta femme. C'est pourquoi Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est quand Dieu veut te parler individuellement. Mais Dieu, s'il veut parler au monde entier, là, il utilise un prophète. Et ce prophète devient la voix de Dieu pour vous. Mais s'il veut vous parler individuellement, là, il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Il peut utiliser un songe, il peut utiliser une prophétie, il peut utiliser une prédication, il peut utiliser même un frère ou une sœur. Ça, c'est correct. Mais si Dieu utilise un songe ou utilise une prophétie, ça doit être conforme à la parole. Si Dieu utilise un songe ou un frère, tout ce qu'il dit, ça doit se marier à la parole de Dieu. Si tu fais un songe et que ce songe-là ne se marie pas, n'est pas conforme à la parole de Dieu, comprenez que c'est le diable. Si une prophétie sort et que cette prophétie ne se marie pas à la parole de Dieu, n'est pas conforme à la parole de Dieu,
comprends directement que c'est la voix du diable. Parce que le diable utilise le même canal. Le diable peut te parler aussi par un songe. Le diable peut te parler aussi par une prophétie. Le diable peut utiliser aussi un prédicateur. Le diable peut utiliser n'importe qui. Lui, il est toujours en train d'imiter ce que Dieu fait. Le diable n'a pas de l'original. Il est là seulement pour copier ce que Dieu fait. Dieu utilise le songe, le diable utilise le songe. Dieu utilise la prophétie, le diable utilise la prophétie. Dieu utilise un homme, le diable aussi utilise un homme. Mais vous saurez que ce n'est pas la voix de Dieu quand cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Je peux donner deux exemples. Un jour, un pasteur ami. Ce pasteur-là, il était célibataire et il était maintenant prêt pour se marier. Il m'a dit que, frère, je vais me marier. Moi, je lui ai dit, c'est très bien, mais on a beaucoup de sœurs dans l'église, tu peux faire ton choix. Et le pasteur me dit, Dieu m'a montré une fille, mais elle est encore dans les morts. Les frères me disent, il va faire, Dieu l'a déjà montré une sœur, mais elle est encore dans le monde, c'est une païenne. Moi je dis aux frères, notre message ne nous permet pas de se marier au monde, dans le monde. Tu dois te marier dans le message, dans la parole. Les frères me disent, Dieu m'a dit que c'est ma femme. Vous voyez déjà que son songe était contraire à la parole de Dieu. Mais il insistait, il dit que Dieu m'a dit. Et frère Branham dit, si quelqu'un te dit que Dieu l'a dit, laissez-le tranquille. Alors, comme il a engagé Dieu, moi j'étais calme, je ne parlais plus. Et le frère a continué son chemin. Mais dans mon cœur, je sais qu'il est en dehors de la volonté de Dieu. Lui, il dit que c'est sa femme, c'est Dieu qui l'a montré. Mais ce songe-là était contraire à la parole de Dieu. Ce songe-là n'était pas conforme à la parole de Dieu. Parce que dans le message, selon William Marion Branham, nous devons obligatoirement se marier dans la parole. Alors, Il insistait que Dieu m'a dit que je dois me marier à cette sœur, alors que cette sœur était une grande païenne au carré. J'ai insisté, frère, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole de Dieu. Les frères aussi insistaient que Dieu m'a dit. Je lui dis même que Branham nous dit en aucun cas, même ton songe là, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Mais les frères insistaient, il insistait, alors il a continué son chemin. Il est allé se marier à cette païenne-là. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et cet homme, c'était pasteur. Vous voyez que son songe n'était pas conforme à la parole de Dieu. Son songe, c'était la voix de Satan, ce n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix du diable. Parce que ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est un. Et deuxièmement, j'étais encore un jour dans une église, quelque part. Une prophétie est sortie. Dans cette prophétie, soi-disant Dieu était en train de parler. Moi, votre Dieu, j'étais mort à la croix. J'ai versé mon sang. Mais vous ne voulez pas m'obéir. Je veux vous maudire. Je veux vous taper, je veux vous frapper. Moi, je dis au frère qui est auprès de moi, ça, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ce n'est pas la voix de Dieu, parce que Dieu ne peut pas parler comme ça. La prophétie continue toujours. Je veux vous frapper, parce que vous êtes dans les péchés. D'ailleurs, je ne vous pardonne plus. Je dis au frère qui était auprès de moi, à côté de moi, ça, c'est la voix de Satan. Le frère m'a dit, frère, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais cela n'était pas conforme à la parole de Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est la voix du diable et c'est la voix de Satan.
La prophétie continue toujours. Si vous ne voulez pas m'obéir, je vais continuer à vous maudire. Et tous dans l'église étaient en train de pleurer. Les gens pleuraient, même les pasteurs pleuraient. Moi, j'étais là en train de regarder, j'ai rié. J'ai dit, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est Satan. Les frères m'ont dit, frère, c'est fini, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Moi, je dis non. Ça, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. J'insistais toujours. Et à la fin, la prophétie dit, ok, je vous pardonne maintenant. Restez calme, je vous pardonne maintenant. Et je crois que je vais encore vous bénir. Restez calme, ok? Bon, vous êtes toujours mes enfants. Bon, moi, je m'en vais. Je vous laisse en paix. Ciao. Qui est ce Dieu-là qui peut dire ciao? J'ai dit aux frères, ça c'est Satan, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Toute prophétie, tout songe doit être conforme à la parole de Dieu. Et le pasteur était là sans discernement, il était en train de pleurer, Dieu nous a parlé. J'ai dit à tous les frères qui étaient là, ça ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Et ils m'ont qualifié de n'importe quoi. Donc, Dieu, s'il veut te parler individuellement, il peut utiliser un songe, il peut utiliser une prophétie, il peut utiliser un homme, il peut utiliser un prédicateur, il peut utiliser n'importe quoi. Et le diable aussi, s'il veut te parler, il utilise le même canal. Mais pour connaître que ça, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est quand cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut le jeter. Ce n'est pas Dieu, c'est la voix de Satan. Alors, Dieu peut te parler aussi dans la nature. Par exemple, je vais lire une citation de Frère Branham. Frère Branham dit ceci, Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 88. Frère Branham dit, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Frère, vous qui avez dépassé 30 ans, donc, dépassé déjà 30 ans, Dieu t'a dit quelque chose. Vous qui avez des cheveux gris et les papas assis près de vous, quand vous voyez déjà vos cheveux gris, Dieu est en train de te parler quelque chose. C'est un langage codé de Dieu. Vous voyez vos cheveux gris? Tu dépasses déjà 30 ans. Dieu te parle. Frère Branham continue, il dit, vous qui êtes malade et affligé, quand une maladie t'arrive, c'est un langage de Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose à partir de cette maladie-là. C'est comme la fois passée, je donnais un exemple. J'ai dit aux frères, quand ces musiciens-là du Congo était malade, Papa Wemba. J'ai dit à un frère, c'est le langage de Dieu. Dieu l'a dit quelque chose, mais peut-être il est ignorant. Le fait de seulement d'avoir une maladie en toi, comprends directement que c'est le langage de Dieu. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire quelque chose. Vous qui pouvez regarder votre main, chaque fois que vous vous regardez l'un l'autre, vous savez qu'une chose est certaine, vous allez mourir. Donc quand vous voyez vos cheveux déjà gris, vous dépassez 30 ans, des fois tu es malade, des fois tu es en bonne santé, tout ça c'est le langage de Dieu, Dieu est en train de te parler. Cet homme, Papa Wemba, il était ignorant, je ne sais pas, peut-être il n'avait pas quelqu'un pour lui dire ça. Que faites attention, ça, c'est Dieu est en train de t'avertir. Et avertissement, puis jugement. Mais cet homme, il a continué toujours son chemin. Et après, je crois, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 semaines seulement, il est parti. Quand vous voyez vos cheveux gris, vous dépassez déjà 30 ans, c'est le langage de Dieu, Dieu est en train de vous parler. Faites attention. Mets ta vie en ordre. Soyez prudent. Aujourd'hui ou demain, quelque chose peut arriver. Chaque fois que vous attendez une ambulance descendre la rue,
vous entendez une ambulance descendre à l'autoroute. C'est le langage de Dieu. Elle vous dit, Frère Branham dit, elle vous dit. Donc cette ambulance-là vous dit, la mort est juste devant vous. Chaque fois que vous passez devant une cimetière et que vous voyez une tombe, cela vous dit, la mort est devant vous. Or, Shekinah est morte. C'était le langage de Dieu. Dieu, pour parler à ses enfants, il peut faire n'importe quoi. Il peut utiliser n'importe quoi. Il peut provoquer n'importe quoi. Or, Shekinah est morte, les gens pleurent. Au lieu de pleurer d'abord pour leur vie, ils regrettent Shekinah. Ils n'ont même pas de discernement que ça, c'est le langage de Dieu. Il y en a qui sont encore qui ont encore des ennemis. Il y en a qui sont encore derrière les jupons. Il y en a qui sont encore escrocs. Il pleure Shekinah. La mort de Shekinah ici à Montréal, c'est le langage de Dieu. La mort de notre sœur Olga, la femme de notre frère Kaboui, c'est le langage de Dieu. Un jour, nous allons aussi passer là-bas. Donc, Frère Branham dit, chaque fois que vous passez devant une cimetière et que vous voyez une tombe, cela vous dit, la mort est devant vous. Chaque fois que vous voyez une ride apparaître sur votre visage, ou un cheveu blanc, où vos épaules se voûtent, cela vous dit, la mort est devant vous. Oh, mais combien est heureux les chrétiens qui peuvent se tenir juste au bord de la mer Rouge. Quand vous voyez vos cheveux blancs, comprenez directement que c'est le langage de Dieu. La mort est devant vous, la mort. Donc, Frère Branham nous donne beaucoup de signes. 30 ans passés, des cheveux gris, maladie, une ambulance, où il tombe, comprenez directement que la mort est devant toi. C'est le langage de Dieu. Papa Mba est mort, Papa Mba est mort. Quand vous regardez dans ces deuils-là, il y avait encore des gens qui font des bêtises, il y avait encore des gens qui dansaient nus, pas de discernement. Mon peuple meurt par manque de discernement. Mais nous, dans les messages, nous sommes informés, nous sommes avertis. Nous sommes des voyageurs ici sur cette terre. Même quand tu vas au travail, même quand tu vas au supermarché, même quand tu vas à l'école, n'oubliez pas que tu es un passager. Ça peut arriver demain, ça peut arriver aujourd'hui. Cet homme, papa, il ne savait pas. Il était en train de danser, il était en train de se réjouir avec des femmes unies, une mauvaise atmosphère. Il ne savait pas que ce jour-là, c'est son temps, c'est son dernier jour. Il ne savait pas que ce jour-là, c'était le temps de la fin pour lui. Il ne savait pas que ce jour-là, c'était la fin de temps pour lui. C'était la fin. Pendant qu'il chantait, il lui restait peut-être 10 minutes. Ça comptait 9, ça descendait 8, 7. Pendant qu'il dansait, dans ces 5 minutes qu'il restait là, s'il s'était repenti, gloire à Dieu. Mais il était dans une ambiance totale sans discernement. La mort de Papa Mba avait nous dire quelque chose. La mort de Shekinah, la mort de je ne sais pas qui, même la mort de William Branham, veut nous dire quelque chose. C'est le langage de Dieu. C'est lui qui était homme puissant. C'est lui qui parlait à Dieu comme ça, bouche à bouche, bouche à l'oreille. C'est lui qui était très puissant. Il avait une parole très puissante. Il a fait beaucoup de miracles. Dieu était devenu comme son ami, mais il est parti. C'est un langage que nous aussi, nous allons passer par là. Alors, mettons nos vies en ordre. Donc, nous avons dit que les deux voies qui étaient dans le jardin d'Eden, aujourd'hui, existent toujours, ces deux voies. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Nous avions dit encore que si Dieu veut te parler individuellement, il peut utiliser un songe, il peut utiliser un prédicateur, il peut utiliser n'importe quoi. Et le diable aussi, il utilise les mêmes canaux. Pour connaître que ça, ce n'est pas la voix de Dieu,
Il faut regarder la parole, il faut que cela soit conforme à la parole de Dieu. Si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, on le jette. Amen. Donc, aujourd'hui, Dieu parle, les diables aussi parlent. Dieu parle, les diables aussi parlent. Dieu est venu, il a semé, et après lui, les diables aussi est venu, il a semé aussi. Mais la seule voie qui amène à la vie, c'est la voie de Dieu. Nous avions parlé de William Branham. C'est lui la voix de Dieu aujourd'hui. Individuellement, si Dieu veut te parler, comme nous venons de dire, il utilise un songe, il utilise une prophétie, il peut utiliser un prédicateur. Mais si Dieu veut parler au monde entier, il n'a pas besoin d'un songe, il n'a pas besoin d'une prophétie. Dieu, s'il veut parler au monde entier, il utilise un prophète comme Moïse, comme Noé, comme William Marion Branham. Et ce prophète, quand il vient, automatiquement, il devient la voix de Dieu pour les gens de son temps. Comme nous avons dit, quand nous avons commencé, Noé, quand il était venu, la présence de Noé voulait seulement dire aux gens de ce temps-là que vous êtes des gens dans les derniers jours. La voix de Noé, c'était la voix de Dieu pour les gens de ce temps-là. Noé était devenu la voix pour son peuple. Moïse était devenu la voix pour les gens de son temps. William Marion Branham, aujourd'hui, il est la voix pour l'épouse, il est la voix pour tout le monde, même ceux qui refusent son ministère. Il est la voix pour eux. William Branham, aujourd'hui, il est la voix pour Obama, il est la voix pour Kabila, il est une voix pour les papes, il est une voix pour tout le monde. Refuser ou accepter, il est la voie pour nous tous. Tu refuses? Nous avons vu des exemples là-bas au temps de Noé. Nous avons vu des exemples au temps de Moïse, même au temps de Lot. Refuser cette voie, c'est très dangereux. Malgré que Branham, aujourd'hui, il est la voie pour nous, mais le diable aussi, il introduit sa voie par les canaux de beaucoup des prédicateurs, des pasteurs. Dieu parle, les diables aussi parlent. Dieu parle, les diables aussi parlent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons toujours des discussions. Oh non, il est venu. Oh non, il n'est pas venu. Oh non, c'est les millénaires. Oh non, ce n'est pas les millénaires. Oh non, ils sont ressuscités. Oh non, ils ne sont pas ressuscités. On a deux voix. On a la voix du diable, on a aussi la voix de Dieu. Maintenant, il faut retourner à la parole, retourner au message pour discerner où est la voix de Dieu et où est la voix de Satan. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de l'ennemi. Aujourd'hui, des pasteurs, ils sont utilisés par le diable pour apporter cette voix. Dieu a ses ministres, le diable aussi a ses ministres. Une confusion totale, totale. Le ministre du diable parle, le ministre de Dieu aussi parle. Les deux voix sont en train de se combattre. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se sont accrochés à la voix du diable sans le savoir. Par la fanatique de leur parole. Ils peuvent voir que ça, ce n'est pas la parole, mais comme il est fanatique de son pasteur, il suit son pasteur aveuglement. Les autres, moi je suis 100%, moi je suis 200% avec mon pasteur, mais avec la parole, tu as combien de pourcents? C'est très dangereux. Le pasteur, c'est un homme, c'est un humain. Aujourd'hui ou demain, il peut mourir, aujourd'hui ou demain, il peut faillir. Mais la voix de Dieu ne peut pas mourir. La voix de Dieu ne peut pas faillir. Accrochons-nous à la voix de Dieu. Quand nous étions au Congo, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour Pasteur Mbombo. Ah, moi, Pasteur Mbombo me connaît. Moi, Pasteur Mbombo, tu peux demander à Pasteur Mbombo. Moi, je suis... J'étais même dans sa maison. J'ai mangé même avec lui. Cela ne compte pas, ça ne sert à rien. Oh, moi, le Pasteur Dioka me connaît. Moi, le Pasteur Dioka me connaît. Oh.
Mais ça fait quoi? J'ai assisté à une discussion quelque part. Excusez-moi. Des frères sont en train de discuter. Oh, moi, le pasteur dit qu'on me connaît. L'autre dit que moi, il m'envoyait même pour acheter les pains et les arachides pour lui. L'autre dit, moi, j'étais même dans sa maison. Une discussion bizarre, une discussion qui n'a pas de sens. Le pasteur dit qu'on me connaît. Le pasteur dit qu'on me connaît. Si tu demandes à pasteur Dioka, tu dis seulement mon nom, il va te dire que cela ne compte pas aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le message, c'est le signe. Le pasteur Dioka peut te connaître ou il ne te connaît pas, ça ne dérange pas. Ça ne compte pas aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la parole. Beaucoup sont accrochés à leur pasteur. 200%, 500%, 1000%. Mais pour la parole, je ne sais pas combien de pourcents. C'est très dangereux. Donc, aujourd'hui, la voix de Dieu, c'est William Marion Branham. Mais vous remarquerez que cet homme, William Branham, est déjà parti. Si on peut utiliser un langage comme tout le monde, il est mort. Mais nous savons que les chrétiens ne meurent pas. Branham est mort, mais est-ce que la voix de Dieu aussi est mort? Non. La voix de Dieu est toujours vivante. Malgré qu'on a beaucoup de voix aujourd'hui, des pasteurs, la voix de, je ne sais pas, un prédicateur quelque part, mais la seule voix qui amène à la vie, c'est la voix de William Marion Branham, c'est la voix de Dieu aujourd'hui, dans William Marion Branham. Un pasteur, s'il dit quelque chose qui est contraire à la voix de William Branham, on met ça à côté. Un pasteur, il donne des lois dans son église. On regarde les messages, on ne les voit pas. On met ça à côté. Et ce pasteur-là, on doit le mettre aussi à côté parce que ça ne sert à rien. Il est en train de tuer les gens. La seule voix qui amène à la vie aujourd'hui, c'est la voix de William Marion Branham. Et c'est cette voix qui a appelé Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti. C'est cette voix c'est cette voix qui a ressuscité les gens aujourd'hui. C'est cette voix qui parlait dans Moïse devant Pharaon. C'est cette voix qui a parlé au temps de Noé, par le prophète Noé. Et c'est cette voix qui a parlé à travers William Marion Branham. C'est la même voix de Dieu. Amen. Alors, ce qui compte aujourd'hui, c'est la voix de Dieu. Le prophète William Marion Branham. En dehors de Branham, personne. Nous n'écouterons personne. Nous sommes là seulement pour écouter la voix de Dieu dans William Marion Branham. Et cette voix, c'est brochure que nous avons, cette voix est enregistrée dans les bandes. Donc, écouter la bande, lire les brochures, c'est la voix de Dieu. C'est correct, comme nous avions dit la fois passée. C'est correct, mais si vous supprimez les Éphésiens 4, là ça devient incorrect. Vous écoutez les bandes, les Éphésiens 4 sont là aussi pour donner les messages, pour prêcher. Vous supprimez les Éphésiens 4, vous êtes en danger. Vous supprimez les bandes aussi, vous êtes en danger. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Donc, aujourd'hui, Jésus s'adresse à une seule personne. Dans chaque âge, Dieu utilise une seule voix. Malgré qu'il y a beaucoup de voix, mais Dieu utilise seulement une seule voix. Alors j'avais dit que Branham est parti. Donc la voix de Dieu aussi est partie. Non, la voix de Dieu est toujours là. Frère Branham dit, l'épouse aujourd'hui, elle est la continuité de la voix de Dieu. L'épouse aujourd'hui, elle est le prolongement de la voix de Dieu. Branham avait dit qu'il va retourner en Afrique, mais il est mort. Et beaucoup de frères se sont rétrogradés à cause de cette prophétie. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que cette écriture est accomplie. Branham est retourné en Afrique. Quand nous voyons les pasteurs, par exemple, Dioka, il est Branham en Afrique. Nous voyons, par exemple, le pasteur Capé. C'était Branham en Afrique. Nous voyons les pasteurs, je ne sais pas qui, Kalumbu, pasteur Paul Mouton. Tout ça, ce sont des Branham en Afrique. Le langage d'un prophète, ce n'est pas le langage d'un homme.
Un prophète peut dire que un enfant nous est né. Vous cherchez où est cet enfant. Mais lui, il dit qu'un enfant nous est né. Et il voit l'enfant qui est né. Vous cherchez comme ça, vous ne voyez pas l'enfant. Oh, c'est un faux prophète. Un prophète vit dans son monde. Alors, Branham est parti, la voix de Dieu n'est pas partie. Branham est parti, la voix de Dieu est maintenant dans l'épouse. Frère Branham dit, nous sommes des messagers de son message. Aujourd'hui, le message continue toujours à marcher. Je vais lire cette citation rapidement. Frère Branham dit ceci. Dans question et réponse, 12 janvier 61, paragraphe 390, il dit, mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est alors, c'est hors de tout doute, mon frère. Voyez, mais laissez-moi vous dire ceci, qu'un message viendra et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ce sera point, point, point. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Frère Branham dit, c'est le dernier message. Donc, il n'y a pas un autre message qui va venir pour l'épouse. C'est le dernier message, c'est-à-dire que c'est la dernière voix de Dieu. Ici, sur cette terre, pour l'épouse. Branham était la dernière voix de Dieu. Oh, Dieu m'a dit. Oh, j'ai vu Dieu, il m'a dit ça, 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 ça. Après, tu commences à faire des voyages partout dans le monde entier. Tu commences à louer les bas. Tout ça, c'est le diable. Frère Branham dit son message. C'est le dernier message. Et le message, c'est la voix de Dieu. Donc, la voix de Dieu aujourd'hui, la dernière voix de Dieu aujourd'hui, c'était William Marion Branham. Après Branham, c'est fini. C'est pourquoi lui, avant de partir, il nous a dit de répéter seulement sa voix. De répéter seulement la bande, les bandes. Frère Branham dit, répétez les bandes. Répétez cette voix. Dans les églises, partout dans le monde entier, répétez cette voix. Répétez les bandes. Frère Branham continue, il dit, vous voyez ce que je fais, mes frères. Je vous mets tous dans la même situation que moi. Frère Branham nous met tous dans la même situation que lui. Il continue, il dit, parce que vous êtes autant que moi. Donc, nous sommes des Branham aujourd'hui. Donc, pendant que je suis en train de prêcher là, c'est Branham qui prêche. Croire ou pas, c'est Branham parce qu'ici, il dit, vous êtes autant que moi. Et la même colonne de feu qui est avec Branham est aussi sur moi. La même colonne de feu qui était avec Branham est aussi dans l'église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. La même colonne de feu qui était sur William Branham est aussi sur la tête de beaucoup de pasteurs. Pas de colonnes de feu inventées. Pas de grandes colonnes de feu comme un frigo. La colonne de feu originale qui était sur la tête de William Marion Branham. C'est ça la colonne de feu que nous pouvons témoigner. Ça. C'est ça la colonne de feu que moi je témoigne partout dans le monde entier. Il y a un pasteur qui avait une photo de colonne de feu aussi. Mais sa colonne de feu était grande comme un frigo. Regardez la colonne de feu de William Branham. Une petite colonne de feu, mais toute la divinité était là. Mais lui, sa colonne de feu, c'était très grande. Comme une voiture. Et l'autre pasteur, il m'a montré sa photo. La colonne de feu était sous ses pieds. Et il était en train de se promener avec la photo comme ça. Vous voyez, hein? Vous voyez, vous voyez. Moi, je dis à ce pasteur, mais frère, mais ça c'est dangereux. Tu es en train d'évangéliser les diables. Oh, diable, souvent contre le Saint-Esprit. Oh, beaucoup m'ont taxé. Beaucoup m'ont dit que j'ai déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Je ne peux pas blasphémer contre le Saint-Esprit parce que je regarde ce que Branham a dit. La colonne de feu de William Branham était sur sa tête, ici. C'est pour dire que ce Dieu-là est au-dessus même de William Marion Branham. Cette colonne de feu, ici, il y a un vide.
C'est pour dire qu'après Branham, ici, il n'y a personne. Oh non, moi, Dieu m'a dit. Cette photo, c'est un enseignement. Quand j'étais en Angola, je prêchais seulement sur cette photo. On a parlé de cet homme, on a parlé de ce vide, on a parlé de la colonne de feu. Alors, Abraham dit, je vous mets tous dans la même situation que moi parce que vous êtes autant que moi concernés par cela. Écoutez maintenant, Abraham continue pour terminer, il dit, vous êtes les messagers de ces mêmes messages. Abraham dit que nous sommes les messagers de ces mêmes messages. Et si nous sommes les messagers de ces mêmes messages, parce que Fébranam dit les messagers et les messagers sont un. Si nous sommes les messagers de ces mêmes messages, c'est que nous sommes un avec ces messages. Donc quand nous voyons les messages, nous nous voyons nous-mêmes. Nous sommes tous les messagers de ces messages. La voix de Dieu ne peut pas mourir. Branham est parti. Mais aujourd'hui, il y a encore des Branham. Nous aussi, nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers, cela ne veut pas dire que nous avons un message que nous allons donner aux gens. Non. Frère Branham continue dans cette branchure. Nous n'avons pas un message à donner au peuple de Dieu. Frère Branham dit, dans cette brochure exposée des sept âges de l'Église, il dit, oui, écoutez les prophètes de Dieu authentifiés par Dieu qui vient dans ces derniers âges. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. Donc, nous sommes des messagers. Beaucoup de pasteurs, ils ont profité à partir de cette citation pour dire qu'ils ont aussi quelque chose à donner à l'Église. Non. Fabrien dit, nous sommes des messagers. C'est pourquoi la parole se complète. Fabrien dit, si tu lis une citation, ne fais pas directement ta doctrine. Rassemble des citations pour donner un tableau clair. Si tu t'appuies seulement à cette citation, ici peut-être c'était l'introduction de ce que Branham voulait dire. Et ici peut-être, dans cette brochure, il y a maintenant ici plus que Salomon, peut-être c'est le développement. Peut-être la conclusion c'est dans une autre brochure. Rassemblez toutes les citations pour avoir un tableau clair. Au cas contraire, tu feras un tableau, un taureau ou une vache en train de bouter l'herbe sur un arbre. Abraham dit, nous sommes des messagers, de son message. Mais nous n'avons pas un message à donner au peuple de Dieu. Ici, il y a maintenant, ici plus que Salomon, paragraphe 29, il dit, pardon, exposé les sept âges de l'Église, page 356, il dit, ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. Ce que Branham a dit, c'est ce que nous les messagers, nous allons aussi dire aux gens d'aujourd'hui. Nous prenons seulement, Branham a pris le message. Dieu lui a donné le message. Et nous les messagers de ce temps, nous prenons le message maintenant à partir de Branham. Branham a pris le message, il a reçu le message chez Dieu, à Dieu, et nous prenons maintenant les messages, nous recevons les messages chez William Branham pour parler à ce monde qui meurt. Nous sommes les messagers. Quand j'ai dit ça un jour, il y a un frère qui m'a taxé de n'importe quoi. Mais j'ai trouvé la citation. Nous sommes des messagers. Frère Branham le dit. Nous allons répéter seulement ce que lui a dit. Nous n'allons pas ajouter ni retrancher quelque chose. Alors, si nous sommes les messagers de son message, cela veut dire que nous sommes un avec ce message de Branham. Parce que les messages et les messagers sont un. Si nous sommes les messagers de ce même message, c'est que la colonne de feu qui était sur William Branham est aussi sur nous. C'est ce que Frère Branham dit ici. Je vous mets tous dans la même situation que moi. Parce que vous êtes autant que moi. Concerné par cela.
Nous sommes aujourd'hui des messages qui marchent. Quand tu vas à l'école, c'est le message qui va à l'école. Quand tu vas au travail, c'est le message qui va au travail. Quand tu vas au supermarché, c'est le message qui va au supermarché. Quand quelqu'un t'injurie, c'est le message qui va répondre. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est le message qui va agir. Quand tu es avec ce message, on ne voit pas Jean-Claude, on ne voit pas Jérémie, on ne voit pas Mutombo, on ne voit pas Nzuzi. On voit les messages en toi. Ta façon de parler, c'est le message. Ta façon de vivre, c'est le message. Ta façon de t'habiller, c'est le message. Tout devient message. Plus question, oh, j'ai entendu que tu as parlé de moi. Otonga Kingai. Qui t'a dit cela? Narolaba Kombo l'a été. Ça se trouve toujours chez les Congolais. Qui t'a dit cela? Narolaba Kombo l'a été. Tu prends une position contre ces frères-là qui a parlé de toi. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de toi? Ici, nous parlons de Branham, nous parlons de Jésus, nous parlons de Jérémie, nous parlons de Moïse. On doit aussi parler de nous. Il faut vérifier ce que ces gens-là parlent. Est-ce que ces choses-là sont à moi ou pas? Il faut vérifier des fois. Peut-être Dieu est en train de t'aider. Dieu, il peut faire de n'importe quoi pour aider son enfant. Il peut même utiliser il peut tuer même quelqu'un. Il permet que quelqu'un puisse mourir pour que son enfant puisse comprendre quelque chose. On a parlé de moi. Comme l'autre, un jour, un frère m'a appelé au téléphone. Frère! Alors, on a donné de bons témoignages pour lui. Mais le frère qui est allé apporter ce message, il a déformé le sens. Père, tu as parlé de moi. Mais j'ai parlé de toi, je parle toujours de toi, frère. Mais qui t'a dit que je parle? Oh non, c'est le frère. Non, comment on a été? Mais pourquoi tu m'as appelé? Allez, directement, il prend position. Ennemi. Non. Ça, ce n'est pas un messager. Parce que les messagers, les messagers sont un. Moi, on m'a déjà jeté des salives comme ça. Plusieurs fois, j'étais là, je ne bouge pas. On me jette des salives par une sœur. Je n'ai jamais géré cette sœur. Et après ça, moi-même, je suis encore allé chercher cette sœur. Quand on te fait du mal, c'est le message qui va agir. On te fait du mal, tu enlèves la chemise pour me bagarrer, ça ce n'est pas le message. Ça c'est le diable, c'est le message de diable, c'est le message de Simon Kimbangu là-bas. C'est le message peut-être de musulmans. Mais le message de Dieu, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est ce message. Ba bétier c'était. Et Togoli Moussou. Il faut l'expliquer à mon ami à la Ponana qui est bien. Parce que des fois, les Français là, ils ont bloqué dans ma camoubéré. Ba bétier c'était et Togoli Moussou. C'était voilà et Togoli Moukoua. Cette heure-là était tombé dans les baya. Dans les colos, dans ma boue. Et le diable était là en train de regarder. Qu'est-ce que le message va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Comment il va agir? À la fin, le message a dit, Père, pardonne-les. Qui peut le faire aujourd'hui? Qui peut le faire aujourd'hui? Ma bête, tu même pas cette base qui s'y était, mais au lieu qu'il y a un combo, tu prends position. Nous sommes au temps de la fin. Mettez nos vies en ordre. Tu as un ennemi quelque part. Tu vas le chercher. Tu as escroqué quelqu'un. Tu arranges. On ne sait jamais. Comme la citation que nous avions lue dans Apocalypse, livre des symboles. Là. Quelqu'un est mort. Dieu t'a parlé. Quand tu es devant le miroir, là, tu es en train d'arranger tes cheveux. Tu vois des cheveux blancs. C'est le langage de Dieu. N'attendez pas une voix qui va sortir là-bas au ciel. Tu as vu là? Tu vois les cheveux blancs. Faites attention, hein? C'est ton temps. Nous connaissons tous les jours où nous sommes nés. C'est pourquoi nous faisons des anniversaires.
Mais le jour que nous allons quitter cette terre, personne ne les connaît. Pour moi, peut-être il me reste 2 jours. L'horloge est en train toujours de fonctionner. Tu dors, tu te réveilles. 1 jour de moins. Tu dors, tu te réveilles. 1 jour de moins, mais tu es distrait. Lire la parole. Comme dans une autre, dans une fraternité quelque part, ici à Montréal, des gens parlaient. Oh, mais ça, j'en ai 17h30. Moi, je dis, mes frères, toi qui es malade, toi, tu discutes. Depuis quand tu as lu les messages de Frère Branham? Je mets la Bible là, je dis, je demande cette question au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont mentir. Au nom de Jésus, les frères qui voulaient parler là, ils s'arrêtent. Donc, ils voulaient mentir. Depuis combien de temps, combien d'années que tu as lu le message? L'autre était sincère, il dit, aujourd'hui, il a une brochure qu'il a commencé à lire. Il a fait aujourd'hui une semaine, presque une année. Avec cette brochure. Donc, il lit une phrase le matin pour tromper, dire que non, je fais quand même mon devoir. Le soir avant de dormir, il lit encore une phrase. Tu ne peux pas tromper Dieu, tu te trompes toi-même. Frère Branham nous a conseillé pour que tu puisses garder une bonne atmosphère en toi, il faut lire et écouter. Tu écoutes les bandes, tu lis. Tu écoutes les bandes, tu lis. Et le matin, Frère Branham nous dit, quand vous vous réveillez avec la famille, il faut lire la Bible avec la famille. Avant même que l'autre puisse aller au travail, même si les enfants dorment, vous les réveillez, vous lisez la parole. Si je ne me trompe pas, je crois la prochaine fois je vais lire cette citation. Le matin, Frère Branham dit, il faut toujours lire la Bible avec la famille. Vous priez, vous lisez la Bible. Le soir, avant de dormir, Frère Branham dit, il faut faire la même chose. Vous priez, vous lisez la Bible. C'est pourquoi beaucoup font des mauvais songes, beaucoup ne dorment pas bien. Oh non, je n'ai pas sommeil. Mais le docteur nous a donné les médicaments. Il dit qu'avant de dormir, lis ta Bible avec ta famille, prie avec la famille. Le matin, la même chose. C'est lui qui connaît tout. Pourquoi il a dit ça? Nous ne savons pas. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs parce que nous ne respectons pas ce que Dieu nous dit. Moi, je dis toujours que le diable imite Dieu. Quand il va chez Nganga Kisi, les Ngangala, les féticheurs, ils ont des kitsakatsaka, ils ont des croix, des tableaux rouges, ainsi de suite. Tu cherches quoi? Je cherche l'argent. Ok. Je te donne l'argent, mais il y a toujours un mais, une condition. Il ne faut pas regarder sous le lit. Il ne faut pas manger la tête des poissons. Il ne faut pas manger les porcs. Si tu respectes toutes ces conditions, tu as l'argent. Si tu ne respectes pas, les bons mains soient trop confus. Le diable, Frère Branham dit, il est en train d'imiter seulement ce que Dieu fait. Et Frère Branham dit aussi dans cette brochure, la voie pourvue de Dieu, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Oui. Frère Branham dit, Dieu a ses conditions aussi. Tout ce que le diable fait là avec des kakakis, il a imité ça chez Dieu. Dieu aussi a ses lois. Si tu veux, par exemple, avoir l'argent, nous avons parlé de ça un autre jour. Si tu veux avoir l'argent, tu viens chez les Nganga Kisi à Mounele ou les Anzambé. Dieu te dira, il faut mettre tes dîmes et tes offrandes. Il faut donner l'aumône aux pauvres. Il faut donner aussi des dons à l'église, soutenir l'œuvre de Dieu, ainsi de suite. 4 choses. Et ces 4 choses, le chiffre 4, Frère Branham nous dit, c'est le chiffre de la délivrance. Quand tu fais ces 4 choses, tu n'es pas délivré, il faut demander à Dieu parce que Dieu ne ment pas. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Tu as besoin d'argent. Tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne donnes pas aux pauvres. Tu ne donnes pas de la dîme, ainsi de suite. Mais tu veux avoir l'argent, c'est impossible. Dieu donne aussi des conditions. Tu es malade.
Il faut avoir la foi pour être guéri. On peut prier pour toi comme on veut. Si tu n'as pas de foi, pas de guérison. C'est une condition. Même pour avoir le Saint-Esprit, il y a des conditions. Même pour aller au travail, il y a des conditions. Tu ne peux pas, tu te réveilles comme ça, boum, je suis au travail. Non, tu dois te laver, tu manges, tu sors, tu prends le métro ou tu prends ta voiture, tu commences à aller. Toute chose a des conditions. Aujourd'hui, les gens disent que Dieu ne donne pas rapidement, Dieu donne rapidement. Parce que nous ne respectons pas les conditions. Quand tu vas chez Kankaki, si tu respectes les conditions, il y a même des gens qui mangent des caca. Ils n'ont pas de choix, ils respectent les conditions. Il fait le caca là, ouh, il mange tout. Moi, en Angola, quand j'étais là, un papa avec son costume, avec une jupe là, sophistiquée, il est arrivé dans un embouteillage. Il faisait tout pour doubler les autres, mais il ne pouvait pas. Il a laissé sa voiture là, dans la rue. Les gens regardaient. Il est descendu. Un papa avec son costume, une voiture luxueuse. Il est descendu de sa voiture juste là, dans la rue. Il a commencé à faire un caca. Un gros caca. Les gens regardaient. Les gens criaient. Oh, oh, oh. Après, quand il a terminé, il commence à manger ça. Les gens criaient. Oh, oh, oh. Il mange. Il a pris des papiers géniques. Il commence à essuyer ses mains. Il est entré dans son truc. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de respecter la loi. Qui lui donne l'argent. Mais nous ne voulons pas respecter la loi, nous voulons seulement l'argent. Dieu, donne-moi l'argent, Dieu, guéris-moi. Non, il y a des lois, il y a des conditions. Le diable, il a imité seulement Dieu. Pendant que je suis là, je suis Nganga. Je suis en train de bénir aussi. Je suis en train d'aider quelqu'un. Je suis en train. Donc, Nazo Sali Samoutoumo quelque part, pendant que je parle là. Donc, je suis comme un Gangakisi, mais dans l'original. Nous n'avons pas de Gitsakatiaka. Nous avons seulement des citations. C'est ça la loi de Dieu. Même dans le mariage, il y a toujours des lois. Tu ne peux pas aller comme ça, non, je me marie à une païenne. En aucun cas. Il y a des lois dans la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes dans les mariages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils plairent. Et Dieu n'est pas là. Les gens plairent aujourd'hui. Des divorces, la femme est têtue, comme l'autre fois, la femme d'un frère, d'un pasteur même, que je ne vais pas citer le nom. Nous sommes entrés avec les pasteurs. Les pasteurs ne travaillent pas, c'est la femme qui travaille. Quand on est entré, la femme n'était pas là. Après 5 minutes, la femme est venue. Elle venait du travail. Quand elle est entrée, direct, Dieu vous bénisse, il passe directement à la cuisine pour vérifier si le pasteur a préparé ou pas. Le pasteur n'avait pas préparé. Il a commencé à crier. Tu n'as pas préparé, on l'a invité. Non, la soupe, non. Moi j'étais là, je dis mais non. Le pasteur était calme. Moi je dis à ce pasteur là, en tout cas c'est ta femme, mais je dois quand même parler. J'ai dit à cette femme, je m'excuse, mais tu cherches des malheurs. Si Dieu permet que tu travailles, ton mari ne travaille pas. Dieu sait pourquoi. Il est peut-être consacré pour l'œuvre de Dieu. Dieu veut qu'il ne puisse pas travailler pour son œuvre. Et toi, tu prends les devants. Hein? Donc, Antoine a commis Antoinette. Maintenant, Antoinette a commis Antoine. C'est très dangereux toucher aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de femmes de serviteurs aujourd'hui ont des problèmes. Même au Congo, là-bas, on a des petits pasteurs avec 2 brebis, 4 brebis, je les connais. Et leurs femmes, ils ont essayé d'injurier, ils ont essayé de se moquer de ces pasteurs-là, parce qu'ils ne voient pas beaucoup de gens. Ah non, lui, il n'est pas pasteur. La Bible dit, 2 ou 3 sont réunis, Dieu là. Ce n'est pas merci, comme les Congolais aiment. Merci. Il faut que ça détourne. Non, Dieu n'est pas comme ça. Branham était en train de prier, il supplie Dieu. Seigneur,
Laisse-moi seulement avec ces petits troupeaux. Laisse-moi seulement avec ces nombres de gens. Lui, le prophète de l'âge, il avait combien de brebis dans son église? Je crois 250 ou 300. Brian Tabernacle, il a été petit. 250 ou 300 personnes. Et les membres effectifs de Brian Tabernacle, je ne crois pas qu'ils étaient 100. Peut-être 50 ou 60. Les autres, là, c'était des visiteurs qui venaient de loin. Un prophète de l'âge, c'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui parlait à Dieu comme ça. Il avait combien? Mais aujourd'hui, nous avons des grandes églises. Gloire à Dieu. Mais Frère Branham dit aussi, le fait que vous commencez à devenir grande, le fait que les gens commencent à s'ajouter dans une église, il dit ça, je crois, dans l'humilité, toi, si je ne me trompe pas. Frère Branham dit, vous commencez aussi à s'éloigner de l'original. Petit à petit, vous éloignez de l'original. Pourquoi il dit ça? Nous, les Congolais, nous cherchons seulement Bercy. Quand on appelle au téléphone, beaucoup combien de gens? Toujours ça. Beaucoup combien de gens? Toujours les Congolais. J'ai prêché une sœur quelque part. La sœur a cru le message. Mais après moi, et la sœur là, c'est une païenne. Elle m'a même cité le nom de ces gens-là qui m'ont critiqué chez elle. La sœur a cru le message. Il a écrit la parole. Et les autres là, quand ils ont vu que non, j'aurais eu le brebis encore. Ah non! Ils ont appelé la sœur, ils ont commencé à me critiquer, ils ont parlé en mal de moi, et la sœur est venue me trouver, mais j'ai trouvé vos frères du message et des sœurs. Ils m'ont même donné leur nom, mais il m'a dit que je ne puisse pas je ne puisse pas citer leur nom chez toi. J'ai dit, mais oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit que tu es quoi, tu es. Et bon, ils ont parlé de beaucoup de choses. Et la sœur dit, bon, je crois que je vais retourner dans mon église là-bas, je vais encore réfléchir. Parce que ce qu'on m'a dit là, je vais encore réfléchir. Et il m'a cité le nom de mes frères et de mes sœurs ici à Montréal. J'ai essayé de suivre cette sœur, mais il était vraiment découragé, il est parti. Et il avait même changé son numéro de téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Donc, pendant qu'on est en train d'aider les autres, pendant qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu, pendant qu'on est en train d'évangéliser dans le monde là-bas, je laisse ma famille, je sors dans le froid pour aller évangéliser. J'évangélise et les autres, ils viennent après pour détruire. Ah, mais vous avez un problème avec Dieu? Moi, je fais mon devoir. Vous me critiquez, comme l'autre m'a dit dernièrement au téléphone. Il était sincère. Je suis là vraiment, je vérifie toutes les prédications à l'internet et je suis là en train de vérifier des erreurs. Je suis en train d'écrire. Je vais te trouver après. Moi, je dis, frère, tu vas trouver beaucoup des erreurs. Beaucoup. Du côté français même, donc n'en parlons pas. Les. Tu vas écouter là. À la place de un, tu vas écouter I. Dieu n'est pas dans les français. Dieu n'est pas dans l'anglais. Dieu est dans sa parole. Au commencement, ce n'était pas l'anglais. Au commencement, ce n'était pas la parole. On a beaucoup de gens qui parlent bien français, mais ils sont tentés de blaguer avec ces messages. La vie n'est pas dans les français. La vie est dans le message. Branham ne parlait même pas un bon anglais. Jésus ne parlait même pas un bon hébreu. Alors, Frère Branham dit, nous sommes des messagers de ces messages. Nous sommes la voix de Dieu aujourd'hui. Nous sommes la continuité du message de Frère Branham. Nous sommes la force terrestre de Dieu aujourd'hui. Nous allons parler de ça même un jour. Nous sommes la force terrestre de Dieu aujourd'hui. Nous sommes des vrais soldats de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous sommes une armée ici sur cette terre. Quand les publicités arrivent, nous tuons ça. Quand la convoitise arrive, nous tuons ça. Nous sommes la force terrestre de Dieu aujourd'hui. Amen. Alors, nous avons dit que nous sommes un avec les messages. Nous sommes des messagers de ces messages. Alors, les messagers et les messagers sont un.
Alors, si nous sommes un avec ces messages, obligatoirement, quand les gens nous regardent, ils vont voir les messages. Et les gens peuvent laisser aussi les brochures. Ils peuvent lire les messages sur toi. Les gens peuvent laisser les brochures, laissent la Bible. Bon, je vais aller lire la Bible dans la vie de ses frères. Je vais aller lire des messages dans la vie de ses frères. Tu vas au travail, c'est le message qui va au travail. On t'injurie. On a injuré le message. Maintenant, c'est le message qui va agir. Ce n'est pas toi. Comme un jour, un frère, il était en train de se guérir avec sa femme. Moi, j'étais là. Ils discutaient là. La femme, tellement l'homme, les frères injurent la femme aussi injurée. Maintenant, la femme, pour troubler l'homme, il a injuré à Lingala. Je ne peux pas citer ça ici. Il a dit, entre parenthèses ici, ici, il y a encore Chigo Ria. Entre parenthèses. Je ne peux pas citer ça ici. Moi, j'étais là, j'étais troublé. Troublé. Une sœur en train de gérer son mari. Quand on te fait du mal, c'est le message, parce que toi, tu es le message. C'est le message qui va agir. On a donné l'exemple du message ici sur la croix. On l'a frappé, on l'a tout fait. À la fin, le message a dit, je te pardonne. Aujourd'hui, c'est rare. Frère Branham dit que nous sommes des tonnerres. Un vrai chrétien, c'est un tonnerre de Dieu sur cette terre. Or, il tonnerre, je crois. Licencié. Un tonnerre. Nous sommes des tonnerres de Dieu sur cette terre. Or, un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Donc, par là, Branham voulait dire que nous sommes la voix de Dieu aujourd'hui. Branham est parti, mais la voix de Dieu n'est pas partie. Frère Branham dit, la voix de Dieu est en nous. Cette voix de Dieu est dans l'épouse aujourd'hui. Nous devenions la voix de Dieu aujourd'hui. Quand tu marches, c'est la voix de Dieu qui marche. Quand tu parles, c'est la voix de Dieu qui parle. Tu vas au travail, c'est la voix de Dieu qui va au travail. Tu vas à l'autobus, c'est la voix de Dieu qui monte à l'autobus. Nous sommes la voix de Dieu aujourd'hui. Et vraiment continue pour dire que tous nous sommes des prédicateurs. Tous nous sommes des prédicateurs. Soyez scandalisés là. Même les sœurs sont des prédicateurs. Nous sommes dans la zone de tribulation maintenant pour terminer. Même les sœurs, Frère Branham dit, ce sont des prédicateurs. Ils ont un message à prêcher. Mais comment ils vont prêcher ce message? Je vais lire cette citation. Je ne sais pas si j'en ai ici. Nous sommes tous des prédicateurs. Fabien dit, dans cette brochure, les anges de l'Église, page 171-162, il dit, quand le véritable roi de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. La rejeter, c'est enlever le chandelier. Maintenant, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais vous avez une voix. Si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si tu es prédicateur, si tu as un ministère, tu es appelé pour prêcher, non pas pour s'asseoir dans une église, écouter les bandes, les ministres sont là. Frère Branham dit, vous êtes appelé pour prêcher derrière la chair. Frère Branham continue. Il dit ceci, tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais vous avez une voix, .. Si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes quand même un prédicateur. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes toujours prédicateur. Donc, dans les messages, les sœurs ne peuvent pas prêcher. Mais Frère Branham dit, même si vous ne l'êtes pas, vous êtes toujours prédicateur.
On a des frères qui n'ont pas de ministère. Moi, je n'ai pas de ministère. Il fuit. Mais frère Branham dit, vous êtes quand même prédicateur. Même si tu n'as pas un ministère, frère Branham me dit, vous êtes quand même un prédicateur. Donc, ici, nous sommes tous des prédicateurs. Les sœurs n'ont pas de ministère, mais frère Branham dit, hein, vous êtes quand même prédicateur. Il continue, il dit, mais vous vivez un sermon pour les gens. Vous voyez maintenant, tu n'as pas le ministère, tu n'as pas droit ici derrière la chair. Mais tu es quand même prédicateur. Tu dois vivre un sermon pour les gens. Ta vie, ta bonne vie, frère Branham appelle ça sermon, une prédication. Quand tu vis une bonne prédication dans ta vie, tu mets une bonne vie chrétienne. Tu es en train de prêcher beaucoup de gens. Au travail, tu mènes une bonne vie chrétienne. Les gens vont se demander, qui est cet homme-là? Il n'est pas comme nous. À l'école, tu vis une bonne vie chrétienne. Les gens vont se demander, qui est cet homme-là? Il n'est pas comme nous. Qui est cette sœur-là? Elle porte des jupes longues. Quand on est là pour baiser, elle n'est pas là. Tu es dans une famille. Tu peux prêcher cette famille à partir de ton comportement. Que tu sois sœur, que tu n'aies pas le ministère, toi frère, tu peux quand même prêcher par ta vie, par ton comportement. Je vais donner un exemple pour terminer. Il y avait une sœur quelque part. Et cette sœur, son mari était en train de la faire souffrir sérieusement. Mais tout ce que son mari faisait, la sœur là était toujours soumise. Elle avait toujours de la soumission avec son mari. Elle aimait toujours son mari. Les frères, les gars, c'est-à-dire le mari de la femme, quand il vient, il a bu, il a fait ses bêtises là-bas dehors. Quand il vient, il commence à vomir. Waouh, la sœur vient, elle commence à essuyer. Le mari injurie la femme. La femme ne répondait pas. La femme était toujours calme. Tout ce que son mari faisait de mal, la sœur, elle a gardé toujours sa position. Elle était toujours soumise. Elle aimait toujours son mari. Qu'est-ce que tu as préparé? Je n'aime pas ça. Pourquoi tu as préparé ça? La femme vient. Chérie, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Je ne prépare pour toi. Toujours humilité. Toujours soumission. Le mari là, il s'est retiré, il dit non, cette femme, c'est comme si elle n'est pas normale. Tout ce que j'ai fait, elle n'agit pas. Le mari ne savait pas que c'est le message qui agissait. Alors cet homme, il est allé parler de toutes ces choses là chez ses amis. Il a dit à ses amis que j'ai une femme très compliquée. Tout ce que j'ai fait, il commence à décrire tout ce qu'il fait pour sa femme là. Je la fais souffrir. Des fois, je viens même avec des copines à la maison. Elle vient, elle nous sert. Elle sert aussi mes copines là. Alors, les amis de ce mari là, ils ont dit non, nous ne croyons pas à ça. Nous voulons vivre ça. Alors, le mari a invité ses amis à la maison. Quand ils sont venus, la femme maintenant, elle avait préparé. Elle vient avec la nourriture. Elle commence à faire la table. Elle a arrangé la table. Elle a mis la nourriture là-bas. Elle a appelé son mari et ses amis. Quand ils sont venus à la table pour manger, l'homme, il a regardé ses amis, il a dit, regardez ce que je vais faire, je vais tourner un film, vous allez voir. Et la femme, quand elle amène la dernière marmite, elle a mis sur la table. C'était chaud. L'homme, le mari, elle a ouvert la marmite, il était fâché sérieusement. Mais, qui t'a dit de préparer ça? Est-ce que moi je mange ça? Moi je t'avais dit. Il a pris la marmite, il a mis la femme comme ça. Pouah! La femme était en train de brûler, elle était calme. En train de brûler sérieusement. Et les amis de cet homme étaient là en train de regarder. La femme brûlait, brûlait, brûlait. Après, elle a enlevé la marmite. Elle a dit à son mari, chérie, qu'est-ce que tu veux que je prépare pour vous rapidement? Oh, le mari s'est levé. Il dit à ses amis, vous voyez? Vous voyez?
Et les amis là, ils se sont levés aussi. Ils regardent la femme en train de brûler avec des soupes. Mais elle a dit à son mari, qu'est-ce que tu veux que je prépare pour vous rapidement? Quelle sorte de soumission? Sur place, son mari a dit à sa femme, aujourd'hui, je veux que ton Dieu puisse devenir aussi mon Dieu. Les amis de cet homme aussi, ils se sont décidés aussi. Il dit à cette femme, en tout cas, nous voulons que tu puisses nous amener à l'église. Ton Dieu devienne aussi notre Dieu. Le mari s'est converti sérieusement. Et jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il est toujours dans la parole, un bon frère, avec ses amis-là. Ils sont venus à la parole comment? La femme n'a pas prêché, mais sa bonne conduite, sa soumission. La femme était soumise malgré les problèmes, les difficultés. Elle aimait toujours son mari. C'est ça, vivre une parole pour quelqu'un. Et Frère Branham appelle ça une prédication, un sermon. La femme n'a pas prêché. En Luc 17 et 30, Zacharie 14 et 7, comme nous sommes du message aujourd'hui, elle croit connaître tout. Frère Branham dit, presse par ton comportement, par ta vie. Que Dieu bénisse ma femme. Je ne vais pas témoigner beaucoup pour elle ici dans la chaîne. Ici, c'est pour témoigner de la parole. Mais ce qu'elle fait là aussi, c'est la parole. Que Dieu bénisse cette sœur. Cette femme, elle n'a pas ouvert sa bouche pour citer de Luc 17 et 30, de Zacharie 14 et 7, où il est venu, non. Elle a vu seulement une bonne prédication. Elle a mené seulement une bonne vie chrétienne et c'était une grande prédication pour ces gens. Donc, nous tous, nous avons un ministère. Les sœurs, ils ont un ministère. Les frères aussi, ils ont un ministère. Que tu sois ministre ou pas, tu as un ministère. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Donc, nous sommes tous les prédicateurs. Alors, nous avons dit pour terminer, dans les jardins d'Éden, nous avions deux voix. La voix de Dieu et la voix du diable. Dieu a parlé, Satan aussi a parlé. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans l'Éden de Satan. Ces deux voix-là existent jusqu'à aujourd'hui. Dieu parle, le diable aussi parle. Nous avons dit que la voix de Dieu aujourd'hui, c'est le prophète William Marion Branham. Branham est parti, c'est l'épouse qui est maintenant le prolongement de ce message ou de la voix de Dieu. Nous-mêmes, la citation que nous avons lue là, nous sommes des messagers. Frère Branham dit que nous sommes des messagers de son message. Nous n'avons rien à ajouter, rien à retrancher. Nous prenons seulement ce que Branham a dit et nous donnons aux autres. Et comme nous sommes le message, nous sommes aussi la voix de Dieu sur cette terre. Alors, une chose pour terminer. Nous avons dit que malgré que Branham est la voix de Dieu aujourd'hui, malgré que William Marion Branham, la voix de Dieu aujourd'hui, nous avons aussi des voix de pasteurs. Nous avons les voix des prédicateurs. Le message est là, le pasteur aussi parle. Dieu parle, le diable aussi parle à travers des prédicateurs ou des ministres. Dieu parle, le pasteur aussi parle. Tu entres dans une église, le pasteur donne ses lois. Quand tu regardes les messages, ça n'existe pas. Le pasteur, quand il est fatigué, il va en congé quelque part, il ferme l'église. Personne ne va entrer jusqu'à ce que moi-même je serai de retour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça c'est la voix du diable. Et Frère Branham dit, pour terminer, Frère Branham dit ceci, dans l'ordre de l'église, Frère Branham dit, une bonne prédication ne peut pas dépasser 45 minutes. Et Frère Branham dit encore, une prédication, Donc, une prédication ne peut pas dépasser 45 minutes. Quand vous faites votre réunion comme aujourd'hui le dimanche, Frère Branham dit, ça ne peut pas dépasser 1h45. Pourquoi? Ça, c'est la voix de Dieu qui parle.
La voix de Dieu aujourd'hui dit que prédication 45 minutes, 40 à 45 minutes. La voix de Dieu dit aujourd'hui, le culte normal ne peut pas dépasser 1h45. Et Frère Branham explique pourquoi lui, il prend 2h du temps, 3h du temps, 4h du temps, parce qu'il est en train de faire une banque, il est en train de donner un message urgent. Mais il dit dans l'ordre de l'église, ne prenez pas ça comme modèle. Dans toutes les choses, nous prenons Branham comme modèle. Mais pour ça, Branham dit, ne prenez pas ça comme un modèle. Je vais lire ça rapidement pour terminer. Ordre de l'église, Frère Branham dit ceci. Paragraphe 123. D'abord ici, dans paragraphe 123, il parle des droits d'auteur. Pourquoi je lis ça? J'étais en train d'imprimer un jour la photo de l'aigle. Un frère, quand il m'a vu, il dit, mais tu n'as pas les droits d'auteur, frère. Pourquoi tu peux imprimer ça? Ah. J'imprime l'aigle, l'oiseau que Dieu a créé. Et le frère me dit que droit d'auteur parce que la voix de Dieu, il utilise cet aigle dans les brochures. Mais non. L'aigle, c'est un oiseau que Dieu a créé. Si vous demandez le droit d'auteur pour l'aigle, il faut demander aussi le droit d'auteur pour la colombe, ainsi de suite. Le frère m'a dit, il faut que j'appelle là-bas la voix de Dieu pour demander le droit d'auteur. Ça c'est diabolique, ce n'est pas la voix du, ce n'est pas la voix du messager. Frère Branham dit, je ne suis intéressé à aucun droit d'auteur, pas un sou, et le tabernacle non plus n'est pas intéressé. Je ne veux pas que vous le soyez. Ne soyez pas intéressé à cela, au droit d'auteur. Ça c'est un. Deuxièmement, je lis paragraphe 160, Frère Branham dit ceci. Ce que j'ai découvert ceci, un service qui est qui est bien préparé et dont le message est apporté avec puissance, Si vous allez trop loin, vous épuisez les gens et ils ne saisissent pas cela. Frère Branham dit une bonne prédication qui sort avec puissance ne peut pas être longue. Si vous allez trop loin, donc, 2h, 4h, 5h du temps. Frère Branham dit, vous épuisez les gens. Ils ne saisissent pas cela. Donc, tu es en train de parler dans le vide. Les gens ne saisissent pas cela. Tu es en train de faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Je continue. Donc, une prédication apportée avec puissance. Ça ne peut pas être long. C'est ce que Frère Branham dit. Donc tous ces gens qui prêchent 4h, 5h du temps, 7h du temps, ces prédications-là ne sont pas avec puissance. La connaissance reste dans la tête. C'est pourquoi, regardez bien tous ces gens-là, dans toutes ces églises-là qui prêchent 7h du temps, 20h du temps. Regardez les brebis. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas de vie. En réalité, la majorité. Ils ont la connaissance, mais pas de vie. Prêcher 4h du temps, 7h du temps, 20h du temps, tu es en train de former des robots, des extraterrestres. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des gens, ils seront très compliqués parce que toi-même, le pasteur, tu ne respectes pas ce que Branham a dit. Et quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'ensorceler, d'envoûter les gens. Frère Branham continue, il dit la raison pour laquelle j'ai donné .. Et ça, je l'ai toujours su. Voyez-vous, les orateurs qui ont le plus de succès sont ceux qui ont exactement .. Jésus était un homme qui parlait paix. Moukolo Makambu, Jésus. Frère Branham a dit, Azebo Makambuke, Atei Mouke, c'est fini. Atei Mouke, c'est fini. Je vais terminer. Jésus était un homme qui parlait paix. Observez ses sermons. Observez les sermons de Pierre, les jours de la Pentecôte. Cela lui a probablement pris 15 minutes et avec puissance, il apporta les .. Là, quelque chose qui a envoyé 3000 âmes dans le royaume de Dieu. Une prédication de 15 minutes. Cette prédication a amené
3000 âmes dans le royaume de Dieu. 15 minutes. Toi, tu prêches 21 du temps, ça amène les gens où? Nulle part. Seulement dans la tête. 161. Frère Branham dit, et c'est moi, le coupable. En effet, la raison pour laquelle je fais cela, c'est-à-dire la raison pour laquelle je Frère Branham prêche beaucoup de heures, ce n'est pas parce que je ne savais pas ce qu'il en était, mais j'ai fait des bandes. Voyez-vous? Et ces bandes seront passées dans des maisons pendant des heures et des heures et ainsi de suite. Donc une prédication qui sort avec puissance ne peut pas dépasser 40 à 45 minutes. Non. Frère Branham dit non. La voix de Dieu dit non. Jésus parle paix. Une prédication de 15 minutes a amené 3000 âmes dans les royaumes. Pour terminer, paragraphe 99, toujours, l'ordre de l'Église. Bien, nous allons maintenant nous lever pour terminer. Voyez-vous, je saute un peu pour gagner le temps. Et le tout n'a pas dépassé 1h et 45 minutes. Frère Branham parle d'une réunion normale. Donc le tout, c'est-à-dire cette réunion, n'a pas dépassé 1h et 45 minutes. Voyez-vous, voyez 1h et 30 minutes et votre service est terminé. Si vous lisez ça, vous commencez en haut là-bas, vous allez comprendre ce que Frère Branham veut dire ici. Un culte normal, une réunion normale ne peut pas dépasser 1h 45 minutes. Pas de longue prière. Ça, c'est au paragraphe 165. La prière d'ouverture, tu fais 30 minutes. Oh Seigneur, tu sais, tu commences à expliquer Dieu. Tu sais, ce jour-là. Frère Branham dit non. Si vous voulez de longues prières, allez les faire à la maison. Ou proclamez une journée de prière. Là, vous allez prier comme vous voulez. Vous voulez des prédications de longues heures. Avertis l'église, cherchez une journée pour des prières comme ça. Vous priez du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de problème. Ça, c'est correct. C'est pourquoi quelque part, lui-même, Branham dit, si une église ne supporte pas une prédication de 4 heures du temps, cette église devient rétrograde. C'est-à-dire, les pasteurs doivent informer les gens que le dimanche prochain, nous allons nous réunir. C'est une journée spéciale. Nous allons prendre, par exemple, 5 heures du temps de prédication. Tu informes l'église. Ça vient concorder avec cette citation-là des 4 heures du temps. Tu peux faire 4 heures, 5 heures, comme tu veux. Mais, culte normal comme ça, 40 à 45 minutes, c'est fini. La parole. C'est complète. Je termine par ici. Voyez-vous l'essentiel. Votre prière doit se faire dans le secret. Votre longue prière principale. Priez toutes, point, 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 point. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. C'est là que vous devez prier toute la journée, toute la nuit, ou pendant 2 heures. Priez là, mais ici, tandis que vous avez l'attention des gens, que votre prière soit courte, rapide. Allez droit au but. Tu vas m'expliquer par tout Zambé. Oh Seigneur, tu vois. Tu peux expliquer. Frère Branham dit, allez tout droit au but. Que tout votre service et que la majeure partie du temps de votre service soit consacré à cette parole. Partout on les a bien. Et que la majeure partie du temps de votre service soit consacré à cette parole. C'est l'essentiel. Apportez cette parole avec autant de puissance que possible. Voyez, apportez la parole aux gens. Ça, c'est la voix de Dieu qui a parlé. Mais la voix de Satan, le pasteur est là, il ne regarde pas ce que la voix de Dieu a dit. Il commence à mettre des ordres comme il veut. Une prédication qui commence à 11h jusqu'à 17h. Lui, avec sa famille, ils sont venus avec une bonne jupe là, mais les autres, ils sont venus à pied, affamés, fatigués, avec des enfants, de 11h à 17h. Ça, c'est être un assassin. Tu es en train de tuer les gens sans le savoir. Un enfant n'a pas mangé de 11h à 17h.
Je l'ai vu moi, parce que je n'ai pas le temps pour continuer. Un enfant était tombé comme ça, boum, évanoui. Moi, j'étais là. Le papa, il cherche l'argent pour acheter quelque chose. Moi, je dis à ce papa-là, c'est un frère, juste hein, après l'église, je dis à ce papa, mais frère, tu ne vois pas que tu es en train de tuer aussi ton enfant? Le frère qui était là, ah, mais non, tout le monde dans la poteau. Moi, je dis, non, ce n'est pas le problème des poteaux. Les gens des poteaux et les gens de l'Afrique, nous avons un seul message, une seule voix. Frère Branham dit ça, je commence à... Les autres ont compris. Il dit, mais non, ça, vraiment, on ne comprend pas. De 11h à 17h, l'enfant était presque demi-mort. L'homme-là, Pierre, je crois, ou Paul, Pierre, je crois, il a prêché depuis le matin jusqu'au soir. Et Tychicus était sur la fenêtre. Il est tombé, boum, il est mort. Pourquoi il était mort? Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué. Et la Bible nous enseigne. La Bible doit nous enseigner. Frère Branham dit 40 à 45 minutes, Eric. Si tu n'as pas terminé, tu peux continuer l'autre jour. L'autre dimanche. Ne cherchez pas un nom. Je connais un pasteur qui prêche 8 heures du temps. Il n'est pas notre absolu. Notre absolu, c'est le message de l'ex William Ayer Branham. Tu entres dans une église. Le pasteur donne des ordres, tu regardes les messages, ça n'existe pas. C'est très dangereux, mais il y a quand même des gens qui se sont accrochés à ce pasteur, ils se sont accrochés à ce que le pasteur dit. Quand j'étais quelque part, je parlais au frère. Le frère me dit, oui, nous savons que ça n'existe pas dans les messages. Nous avons déjà vérifié que ça n'existe pas. Moi je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous avez déjà parlé à votre pasteur? Oh frère, tu peux même pas t'approcher de lui. Comment tu peux t'approcher de lui? Moi je dis, mais ça c'est grave. Un pasteur, vous les brebis, vous mettez vos dîmes, vos offrandes, vous soutenez ce pasteur, vous ne pouvez pas s'approcher de lui pour parler avec lui. C'est très dangereux. Tous ces pasteurs-là qui ne répètent pas les messages, frère Branham dit ça qu'il est. Mettez-les dans un sac, jetez-les dehors. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce pasteur. Que tu sois riche, que tu sois grand, répétez les bandes. Et quand Dieu te donne du succès, tu abandonnes Dieu. C'est ça la petite fleur. Tu abandonnes Dieu, tu commences à chercher, à mettre tes propres lois. Dans les messages, ça n'existe pas. Ça, c'est la voie du diable. Et Ève avait choisi la voie du diable. Au lieu de la voix de Dieu, il a abandonné la voix de Dieu. Il a abandonné les messages. Elle a abandonné les brochures. Elle a abandonné tout. Elle s'est accrochée à la voix de Dieu parce que c'était bon, agréable. C'est ce que font beaucoup aujourd'hui. Ils sont des fanatiques de la parole, du message, du temps de la fin. C'est la seule voix qui nous amène à la vie. C'est la seule voix qui nous amène à Dieu. L'autre voix là, ça amène à la mort. Comme nous avions dit, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes à la fin du temps. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver aujourd'hui ou demain. Nous avons donné beaucoup d'exemples ici. Tu connais bien les jours que tu as déjà fait sur cette terre, tu fais des anniversaires, tu te réjouis, tu appelles des gens, tout ça, tu souffles même les bougies. C'est bien. Mais les jours où tu vas quitter cette terre, personne ne connaît. Quand tu attends quelqu'un mort, Dieu t'a parlé. C'est le langage de Dieu. C'est le langage codé de Dieu. Dieu t'a parlé. Comme moi, quand ma maman était morte, jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, je vois, donc, ce monde, ça ne me sert à rien. Parce que c'était une maman qui m'aimait beaucoup. Et je l'aimais beaucoup. Partout où elle était, j'étais là. Partout où j'étais, elle était là. Quand elle est morte, j'étais... Je crois que j'avais 7 ans, si je ne me trompe pas. On m'a amené pour regarder les cadavres. J'étais là en train de regarder, ma maman était là sur le lit. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ça, je vois que tout est inutile. Elle était partie, moi je suis resté, celle qui m'aimait. Et demain ou après demain, moi aussi, n'en voulais pas où. Nous sommes des passagers. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Que Dieu me pardonne aussi parce que j'ai dépassé aussi le temps. Je dois vivre ça aussi. Amen. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, il est toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié. Toi le bouc Azazel qui emporte tous nos péchés. Toi le général à 5 étoiles, toi le mystère du diamant à 7 faces. Nous te remercions pour cet temps merveilleux que tu nous as accordé en ce lieu pour écouter ta parole. Seigneur notre Dieu, nous sommes à la fin de notre réunion. Bénis chacun de nous en ce lieu, Seigneur, pour se retourner aussi avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine puisse commencer, que nous puissions commencer cette semaine avec toi, Seigneur Jésus-Christ, et terminer aussi avec toi. Garde-nous, Seigneur notre Dieu, contre la puissance du diable. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, contre nos ennemis. Garde-nous, Seigneur notre Dieu, contre le monde du ténèbres. Partout où nous allons passer, partout où, Seigneur notre Dieu, nous allons être, nous avons toujours besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ton ange, que tu nous as promis dans ta parole, qui va nous protéger, puisse accomplir sa mission, Seigneur notre Dieu. Partout où piétinera les plantes de nos pieds, que celui-là nous soit accordé dans le nom de Jésus-Christ. Je remets mes frères et mes sœurs entre tes saintes mains, Seigneur notre Dieu. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Je remets aussi cette œuvre entre tes saintes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.